y a Arthur Rimbaud ici, de la poésie. Il est devant le moteur, normalement le moteur dans les bateaux est derrière. Le but c'est ça, c'est que chacun s'accapare un petit peu quelque chose. Donc j'ai une culture d'asperges volantes à 500 kg pièce sur la baie. J'aimerais bien que toute la vie ce soit comme au Festival du Vent. Première action, c'était sur le Metz. Mais il n'y a plus de drapeau français là, il y a le Metz de la Légion, ouais. Des officiers. Il y avait le drapeau français là. Et c'était ça, et ça revenait souvent. T'as qu'à regarder le drapeau. Tout le monde regarde le drapeau de la Légion. Le vent, c'est le drapeau de la Légion. Et j'ai mis une machine à la place du drapeau français. Ça a été mon première action. En fait, c'était 30 et quelques mètres. Je me rappelle une soirée au Tao, après coup, et puis il y a Serge qui me file son béret ou sa casquette, et puis il y avait d'autres Corses qui me filent leur machin. Je dis, waouh, adopté. C'était dans le Tao en plus, Tao. Soit on boit un coup, et puis ils me disent, cérémonie d'adoption, après l'acte. Ça, c'est... Donc je suis un peu pris là-dedans, moi. Un peu pris dans ce cas. C'est fort, ouais. Ouais, j'étais là, couvre-chef, tu as la notion de couvre-chef. Ah oui. Et puis il y avait les clans, les trucs. Après, ça tournera un peu plus vite, mais pour l'instant, au fur et à mesure. Hein. Parce qu'on veut que ça dure. C'est pourvu que ça dure, un temps soit peu. Et on espère, nous, c'est surtout ça, c'est que ça fonctionne en dehors du Festival du Vent. Du coup, les amis du festival, il y a plein de gens qui pourraient revenir, etc., qu'il y a un échange. Que ce soit pas uniquement. Et du coup, les lieux travailleraient différemment. C'est pas la fête, etc., c'est les territoires, du coup, après. C'est ça qui m'intéresse.